Bonjour et bienvenue sur lasdi.com pour une petite vidéo Arduino sur le branchement d'une serrure électromagnétique. Tout d'abord, je voudrais remercier Patrick pour son soutien avec son don. Et pour ceux qui voudraient en faire autant, il y a le bouton merci juste en dessous de la vidéo. Pour commencer, nous aurons besoin d'une serrure électromagnétique. Si vous souhaitez un modèle comme celui-ci, le lien se trouve sous la vidéo et sur lasdi.com. Il vous faudra également un relais, comme nous avons déjà vu en vidéo 30 que je vous invite à regarder pour mieux comprendre. Et pour finir, nous utiliserons une alimentation 12 volts pour alimenter la serrure. Au niveau des branchements, pour le relais, le VCC ira sur le 5 volts, IN ira en D13 et le GND sur le GND. De l'autre côté, le COM ira sur le plus 12 de l'alimentation, NO ira sur la serrure et le moins de l'alimentation ira à la serrure. Au niveau du programme, c'est très simple. On dit que le relais est branché en pad 13. Dans setup, on dit qu'il est en sortie et dans loop, on active le relais, ce qui active la serrure pendant 2 secondes et on l'éteint pendant 5 secondes. Comme toujours, le programme et les liens des composants se trouvent sur lasdi.com, rubrique Arduino, vidéo 68. Une petite vidéo très simple, où le plus compliqué reste peut-être le branchement. J'espère que cela en aidera certains dans une réalisation d'ouverture et de fermeture de portes, et je vous dis à bientôt.